Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes vendredi 15 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Je suis prête à honorer ma divinité et à servir l'humanité. Alors pour le dernier jour de cette semaine, parce que vous le savez maintenant, moi je termine avec vous le vendredi, eh bien j'ai pigé l'être aimé. Et c'est l'archange Samuel qui vient vous délivrer son message. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Le message de ce bel archange Samuel. Eh bien, pour certains d'entre vous, l'amour est en vous et vous entoure en ce moment. Vous n'avez pas à le chercher. En préférant entretenir des pensées d'amour et réaliser des actions aimantes, eh bien, vous attirerez et concrétiserez l'amour dans tous les aspects de votre vie. L'archange Samuel vous invite à faire appel à lui pour guider vos pensées et vos actions et pour apporter du romantisme dans votre vie. Il vous demande, eh bien, de lui parler régulièrement à propos de votre vie amoureuse. Et c'est ainsi qu'il pourra vous aider. Qu'il pourra vous aider, pour certains d'entre vous, à tomber en amour avec votre existence, de même qu'à soigner et concrétiser de merveilleuses relations. Et pourquoi pas, peut-être que vous trouverez l'amour avec eh bien, votre âme sœur. Travailler avec l'archange Samuel, eh bien, l'aura de Samuel est vert pâle. Le chakra du cœur, n'est-ce pas? Comme une feuille de printemps au soleil matinal. Vous pourrez vous sentir près de l'énergie aimante de ce bel archange Samuel, eh bien, en portant ou en gardant sur vous un cristal de fluorite verte qui représente l'amour. Voilà, le cristal de fluorite verte. Et vous serez en communication avec ce bel archange Samuel. Voilà le message de l'archange. Et je termine avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé toucher. Quelques petites questions pour vous. Avez-vous posé les limites de votre espace vital? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez posé des limites, de votre espace vital? Êtes-vous en manque, peut-être de caresses et de câlins? Avez-vous érigé votre peau en bouclier pour ne pas être approché de trop près pour certains d'entre vous? Alors, et pour d'autres, est-ce que vous vous êtes coupé de vos émotions? Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? Est-ce qu'on a abusé de vous sans que vous n'ayez pu vous défendre? Alors, prière pour guérir du toucher, mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher
que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau, ou le chaud et le froid qui me montent au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Et vous répéterez 3 fois, je suis le toucher, je mérite le toucher. Alors c'est un, ici c'est quand même, c'est un message fort, n'est-ce pas? Parce que bon, dans les questions que je vous ai posées, êtes-vous en manque de caresses et de câlins? Voyez? Est-ce que vous avez posé des limites à votre espace vital? Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? Et le plus grave, a-t-on abusé de vous sans que vous n'ayez pu vous défendre? Allez, dites cette prière pour guérir. Bon, ben ça me touche. Cette prière me touche. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à certains, et puis si ça parle pas, ben voilà, il y en a que ça parlera. Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui vibre en vous, de ce que je vous ai dit dans cette capsule. Alors, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un très 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 joli week-end, et puis on se retrouve dans une prochaine capsule, et puis d'ici là, moi je vous embrasse, et prenez soin de vous dans la douceur, prenez soin de ceux que vous aimez et de ceux qui vous entourent. Et resplendissez la joie, la bonne humeur, le rire, la bienveillance, la tolérance. Voilà. Allez, je vous embrasse tout tout fort. À très vite.